Bonjour à tous, ici c'est Big Boss, je vous retrouve pour la 11e partie sur ce let's play sur The Evil Within. La dernière fois, comme vous avez sûrement pu le voir, on en avait chié en étant entré dans l'église, on avait affronté des monstres, on avait affronté le chien bizarre là, avec des bouches partout, enfin bref, que des trucs bizarres et sans aucun sens. Et maintenant, on entre dans le nouveau chapitre qui s'appelle Le Gardien, et vous saurez bientôt pourquoi. Allez, c'est parti pour continuer. La créature ensanglantée aux longs cheveux peut être vaincue par les armes, mais il est déconseillé de l'affronter. T'es proche. Je suis là, du calme. Personne ne va te faire de mal. Oh, il est encore mal en point, Joseph. On doit rester ensemble, c'est le seul moyen. Je sais plus, je crois qu'il y a des items utiles autour, je vais voir ça. Par contre, je me souviens que ce chapitre, enfin comme tous les autres, il va pas être très tendre avec nous. C'est bien simple, si je me souviens bien, ça va monter crescendo. Hey, Joseph, est-ce que ça va? Ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter. Quand t'es au dernier étage, ou... ou quand le métro passe. Imagine que t'en aies envie pendant une minute entière. Puis deux minutes et... Faudrait vraiment que t'appelles le numéro vert de SOS Suicide. Tu résistes, Joseph. T'apprends à le contrôler. Tu m'écoutes pas! J'ai pas peur de perdre le contrôle, Seb. J'ai peur de ne plus avoir envie de le contrôler. Une partie de moi veut céder. Je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me raisonner. Et c'est bien plus profond. C'est comme un instinct. Oh! Et c'est de plus en plus fort. Ah, ça repartit cette merde. Tiens bon. Allez. Encore cet enfoiré? Saloperie, va. Oh putain. Oh, maintenant ils volent. On dirait qu'ils sont sur la lune. La gravité est morte. Oh la vache. Putain, la gravité elle a basculé de 90 degrés là, ça me fait penser à un moment dans Legend of Zelda Ocarina of Time. Dans le temple du... dans le temple de la forêt. Si ça vous dit quelque chose, hein, si vous y avez joué. Et comme j'ai dû le dire précédemment dans un de mes let's play, c'est mon jeu préféré. J'y ai joué mais... peut-être une vingtaine de fois dans ma vie.
Drôle d'endroit avec toutes ces cierges. Personne ne va te faire de mal. Personne ne va te faire de mal. Leslie ? Je ferais bien de retrouver mes partenaires. C'était Leslie qu'on entendait. Ah! Oh putain, heureusement que j'ai entendu le bruit. Allez, allez, on va essayer. Ouh. Oh putain, la fenêtre de réaction est de plus en plus rétrécie, on dirait bien. Enfin, c'est pas qu'on dirait, hein. Il n'y avait pas un truc à ramasser là, j'ai cru voir une fenêtre ou... Ah, c'était ça, sans doute. Oh putain, la vache, lui, il est pas mort de rire. Je suis venu d'où déjà? Ah mais c'est de là que je viens sans doute. Y'a rien d'autre? Bon bah on dirait pas. Putain c'est qui lui? Enfin bref, allez on continue. Y'a des monstres. Ah! Oh putain, il y en a plusieurs! Oh la vache! Putain, comment je vais faire là? Et voilà! J'espère que c'est tout, mais bon, c'est tout pour le moment, hein. Ça.
ça qui s'est passé. Il y a des trucs pas clairs dans ce jeu, hein. Ce fragment de bas-relief a été arraché d'une porte en pierre, où il servait manifestement de clé. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Ah! Attendez. Ah! Qu'est-ce que c'est que cet amas de chair dégueulasse? On dirait que ça forme des yeux et un sourire. Ou alors c'est moi qui vois mal. Enfin bref. Note des catacombes, au secours, le martèlement métallique, il revient, j'ai beau courir, il me suit, pitié, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Ça c'est pas de bon augure. Mais on aurait dit le mec là qu'on avait vu dans un espèce de flashback en noir et blanc là quand on était dans l'infirmerie avec Tatiana. Est-ce que ça serait lui le gardien? Il a pas l'air très commode en tout cas. Ça s'adapte. Oula. Gauche ou droite? Je t'écoute, Max, on y arrive. Gauche ou droite? Bon bah allez, on va écouter Max. On va aller à gauche. Voilà. C'est quoi cette fumée mauve là? Violette, je sais pas quoi. Voilà, oula, oh putain, c'est quoi cette jauge de mort? Ah, et puis il y a le flux dégueulasse qui revient. Ouais, bon, je crois que c'est un gaz mortel. Risque d'inhalation. Oh, attendez. Non, c'est pas ici. Non, parce qu'il y a un endroit. Putain. Oh la vache. Il y a un endroit où il y aura un fil à désamorcer juste là, juste dans l'angle. Putain, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est le mec qu'on avait vu dans un des flashbacks, encore une fois.
Ah oui, et ces monstres à deux têtes. Ah oh, putain, on dirait qu'ils continuent à avoir des spasmes à vivre. Oh là là, c'est dégueulasse. Bref. Ces monstres-là, je crois qu'on ne peut pas les avoir furtivement par derrière. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Ah, c'est la tête de monstre qu'il faut avoir. Oh putain, la grenade, elle a été projetée. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? C'est qui a activé un piège? Hey! Mange tes morts! Putain, j'entends des bruits bizarres là. Oh, ça sent pas bon! Une hache. Putain, on dirait le masque dans le film The Mask là. Enfin, en un peu différent. Oula. Mange tes morts. Merde, putain. Ah non, ça a gardé la hache. Oh. Oh putain, y'en a qui dégueulent. Comme dans Resident Evil. Ça les a pas tous eu. Plus de munitions. Oui, plus de munitions. Oh la vache. Le fusil à pompe au corps à corps, y'a que ça de vrai. Oh, je crois que j'aurais pu activer un piège pour tous ces transpercés, mais je sais plus. Enfin bref. À moins que ce soit un autre endroit. Peut-être que je confonds. Oh, attendez. Ça me proposait de ramasser. Ah, la hache! Génial. Oui, je crois que c'est là où j'ai ramassé la hache. Ou là. Bon. Eh, attendez. Il y a un piège. Eh, mais c'était d'où je viens en fait. Allez, on essaye de pas se faire avoir. Ah! Oh putain! Oh la vache, putain! Oh, regardez! Ah putain! Ah non, mais la fenêtre est tellement courte que. Ah la vache, putain! Ah merde! Oh, me dis pas qu'il faut tout. Oh mon dieu, me dis pas qu'il faut recommencer jusque là, non! Oh! Oh merde! Oui, merde, ça tu l'as dit. Je pensais que ça ferait un checkpoint là. Ouais, ça veut dire choisis ta façon de mourir. Putain. Je crois qu'en difficulté cauchemar,
La jauge de mort, elle arrive plus facile, plus rapidement quand on est en contact avec le gaz rose, violet, bref. Un petit Allahu Akbar pour la route. Quoi? Encore des Terminators? Mais attends, je t'ai balancé un corps explosif, du con. Qu'est-ce qu'il fait? T'es bourré? Putain, il marchait contre le mur, le mec. Ah, attendez, j'ai une idée. Mange. Ouais, je crois. Oh la vache. Je crois que c'est bien la tête de monstre qu'il faut. Parce que il a deux têtes, mais là je crois que c'est la tête de monstre qu'il faut avoir pour ça. Ah! Putain, il essaie de me dégueuler dessus, l'enculé. Non, me dégueule pas dessus. Ah putain! Régénère ta santé, allez! Oh putain. C'est bon. Ah! Qu'est-ce que c'est moche! Comment il s'effondre comme une merde! Lâche. Je vais déjà me mettre de la santé au cas où je prenne des dégâts. Putain, j'ai deux clés. Ah, oh la vache. Oh, il était moins une. Oh, il était vraiment moins une. Ah, regardez. Regardez. Vous voyez ces énergumènes là? Eh ben regardez ce qui se passe. Pouf. Ah la vache putain, le mec il est embroché là. Putain de merde. Ah le délire. Oh putain la caisse, oh la vache la caisse de munitions. Il y a toujours lui là-haut là. Oh ça a bugué là. Non ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ramé. Bon bref. Oh, il y a un truc piégé, on voit la lumière rouge. Ouf. Quoi? Ce truc, il a bougé. Putain, merde, ça a fait disparaître Mash. Ah oh bah super, putain, je suis vraiment con. Qu'est-ce qui se passe? Oh mais c'est encore lui là!
C'est le gardien, je pense, ouais. Oh la vache. Regardez la jauge. Ah oui, elle avance nettement plus vite en mode cauchemar. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. L'aiguille s'approche du rouge. Ah, voilà, très bien. Attendez, ça me proposait de faire une action. Ah non, c'était faire cramer le cadavre, mais ça n'a aucune utilité, je crois. Bon allez, on va ramasser le gel vert. Un petit checkpoint pour la route. Encore un piège. Oh attendez. Non, je voulais tirer sur le piège là-bas pour le faire exploser. Ouais écoutez, j'ai plus assez de balles hein. Vous me faites chier. Putain! Ah non, il était déjà mort. Oh la vache, putain de merde. Oh la vache. Attendez, je me repose un peu là parce que là, ça... Ah, c'est trop chiant. Non mais sérieux. Bien. Bah je vais où? On va essayer déjà d'aller par là. Putain, je vais par où? Je sais plus par où il faut aller. Voilà. Bien. Encore un qui est pas mort de rire. Ça me fait penser à dans The Last of Us, premier du nom. Il y a un cadavre qui... Il y a un squelette qui a la main sur le cœur. Ça, c'est carrément bizarre. Non, très froid. Putain. Allez, avance. C'est d'où je viens ou pas, là? Ah bah oui, c'est d'où je viens. Bon, y'a rien ici. Je pense qu'il faut passer par là-bas. Voilà le fil dont je vous parlais tout à l'heure. A chaque fois je me fais avoir, mais pas cette fois-là.
Quoi, mais je peux pas le désamorcer? Ah si. Et en fait, je crois que si on se fait avoir, ça libère du gaz mauve. Encore? Oh putain. Putain, je voulais les cramer. Crame, 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 cramé. Voilà, très bien. Putain, je vais pas me faire avoir comme un con à ce moment-là, quoi. Bon, ça, c'est un cadavre, on dirait. Ah, faut faire gaffe parce qu'il y en a qui se lèvent au moment où on passe. Oh putain. Ah, j'ai pas eu le temps de le cramer celui-là. Bon bah goûte ça. Quoi? Ah! Oh putain, attends, approche, approche. Ah! Ah putain de merde. Ma santé. Ah oui, alors il y a un endroit de l'autre côté où il y a du gel vert. Un peu partout d'ailleurs. Là je vois... Putain, c'est difficile de voir, je vois trois bocaux, mais je crois que j'ai jamais réussi à trouver l'endroit pour y accéder. Par contre là je m'aperçois que ça fait à peu près 30 minutes qu'on joue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour la 11e partie de ce let's play, et je vous dis à très bientôt pour la 12e. Allez, salut !